Ce délicieux burger n'est pas mauvais pour ta santé, tu pourrais théoriquement en manger tous les jours. Laisse-moi te faire comprendre. Pose une base de pain burger brioché, tartine une demi-cuillère à soupe de mayonnaise, sachant que, attention, la mayonnaise n'est pas à exclure, c'est calorique, mais en réalité la composition d'une mayonnaise n'est pas mauvaise. Et si tu en mets qu'un petit peu, aucun problème. Ensuite, dispose quelques feuilles de salade pour garder le pain sec. Tu peux ensuite rajouter 125 g de steak haché 5%, une toastinette de cheddar. Tu peux aussi utiliser du vrai cheddar, mais c'est plus calorique. Rajoute une cuillère à soupe de ketchup pour seulement 15 kcal, donc on comprend que c'est une sauce peu calorique finalement. Ensuite, quelques morceaux de cornichons, 2-3 rondelles d'oignons, 2 tranches de tomates, redispose un peu de salade, rajoute encore une demi-cuillère à soupe de mayonnaise avec un peu de ketchup et complète le tout avec un chapeau brioché. Au total, on a un burger qui pèse 300 g, évalué à 500 kcal pour 38 g de protéines et un bon ratio de macronutriments. Tu comprends maintenant que